fait un travail qui mixe la photo et le dessin, et à travers ces deux métiers, en fait, ces deux types de temps qui sont confrontés. Le temps plutôt immédiat de la photo, donc il y a tout un travail de préparatoire de photo en amont. Et le fait de redessiner par-dessus, c'est une façon de confronter un petit peu deux types de temps. Le temps plutôt spontané de la photo et le temps plutôt construit du dessin. Donc le dessin me permet de retravailler le temps spontané de la photo, de le travailler d'une façon plus construite, de le un peu déplier le temps aussi. Enfin, c'est une façon de lier deux temps un petit peu contradictoires. C'est une liberté que j'ai acquise à force de travailler sur écran par une tablette graphique qui m'a amené justement cette liberté. Il y a une espèce d'improvisation, de spontanéité. Et donc ce que je fais dans ce genre d'installation, c'est que en fait, je prolonge dans la réalité, manuellement, le dessin que j'ai commencé sur écran. Et c'est une façon pour moi de ne plus m'arrêter de dessiner. C'est le fait de travailler sur écran, de pouvoir conserver tout le travail de dessin, de pouvoir en faire une base de données. J'ai l'impression de faire toujours aussi un petit peu le même dessin, de le grossir tout le temps au fur et à mesure de mon travail. Et donc c'est ce qui me permet aussi d'avoir cette continuité dans le dessin. Et donc maintenant je dessine aussi bien sur écran que je m'arrête plus de dessiner, en fait, quoi. Je me laisse aller au gré de l'image photographique et par les rythmes qu'elle impose. Le dessin quelquefois colle à la photo par les rythmes du noir et blanc, enfin de la lumière et des ombres, mais ça m'amène à une espèce de rêverie graphique aussi, et en fait c'est une forme de vagabondage graphique. Je m'échappe souvent du motif pour recréer d'autres figures qui n'apparaissent jamais complètement, qui disparaissent, qui réapparaissent. Et quand je regarde des travaux que j'ai déjà faits, je m'aperçois souvent de figures que je n'avais jamais vues. À chaque fois, je découvre de nouvelles figures. Donc c'est vraiment une forme de vagabondage graphique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, vous êtes devant la BMW i8, qui est le dernier né de la marque BMW i. La BMW i8, c'est une sportive hybride qui est motorisée par deux moteurs. À l'avant, un moteur électrique qui fait 131 chevaux. Et à l'arrière, un moteur thermique essence, un 3 cylindres 1,5 litre qui fait 231 chevaux. Donc la i8 a une puissance cumulée de 362 chevaux qui lui confère des accélérations de 0 à 100 en 4 secondes 4 et une vitesse maximale de 250 km/h. Mais le plus intéressant de cette voiture, c'est sa consommation, puisqu'elle est à 2,1 litres au 100, ce qui est une performance époustouflante, et à 49 g de CO2 par kilomètre, ce qui est absolument incroyable sur ce segment. Comme la BMW i3, la BMW i8 a des matériaux responsables, de la fibre de carbone, et est produite à l'usine de Leipzig, dans le nord de l'Allemagne, et cette usine est alimentée exclusivement par 4 éoliennes. Alors je vais vous présenter SEV.
qui est une entreprise française basée à Alès dans le Gard, qui conçoit et fabrique des véhicules électriques dédiés à la mobilité. Voilà, donc on a une gamme de motos électriques, vélos électriques qui permettent de se déplacer en ville ou dans les chemins pour s'amuser, de la moto 50 cm3, équivalent 50 cm3, au vélo assistance électrique avec moteur dans le pédalier. Voilà, donc la société est aujourd'hui commercialise ses produits dans une dizaine de pays en Europe et on est en train d'accompagner notre développement par ce genre d'événement très sympathique pour faire la promotion de notre marque. La société concevait et fabriquait au départ des motos trial. La substance était là, donc c'est un fabricant moto. Et l'idée était de développer des véhicules électriques pour accompagner l'ère du temps effectivement de se positionner sur ce marché qui était en plein essor il y a 5 ans et qui l'est toujours puisque les ventes de nos produits se passent très très bien. L'idée effectivement c'était d'associer la technologie qui était disponible à cette époque-là d'utiliser cette technologie pour en faire des véhicules urbains. Donc les technologies sont les mêmes, l'utilisation est différente, mais au final on a des produits qui peuvent très bien être utilisés pour la randonnée loisir, tout comme pour l'utilisation tous les jours pour se déplacer au travail par exemple. Il y a plusieurs systèmes. Le premier système c'est le système du vélo à assistance électrique. Donc on a un système d'entraînement par rapport à la force du pédalage. Dès que le cycliste actionne les pédales, le moteur démarre et va accélérer ou s'arrêter en fonction du rythme de pédalage. Le deuxième système, c'est le système moto, sur un autre type de produit, plus performant, plus puissant, qui permet d'aller jusqu'à 50 km/h uniquement par la poignée de gaz. Donc on a un système qui est complètement indépendant des pédales. Tout à fait. Alors la moto a 40 ou 80 km d'autonomie, le vélo a entre 80 et 120 km d'autonomie. La gamme SEV démarre à 1 500 € pour les vélos électriques, jusqu'à 3 500 €. Les motos de 3 500 € à 4 500 €. Qu'est-ce qui fait la différence entre 1 500 et 3 500 pour les vélos? C'est plein de petites astuces qui permettent de rendre l'engin le plus intelligent possible. Un vélo à 1 500 € a un système de motricité assez simple, on-off. Un vélo à 2 800 € comme celui qui est derrière moi a un système de captage de force très précis qui permet d'augmenter la longévité des batteries au niveau de la capacité du véhicule et plein de petites astuces au niveau des composants, des freins à disque hydrauliques, une fourche extrêmement performante. Voilà, c'est le détail qui fait la différence. Les batteries au lithium ne nécessitent pas d'entretien. Par contre, le fait que le système consomme plus ou moins fait qu'effectivement on aura une autonomie plus ou moins importante. Aujourd'hui, on utilise des batteries au lithium qui sont très performantes et relativement légères, dont la capacité augmente chaque année de 10 à 15%. C'est ce qui nous permet d'augmenter la puissance des véhicules sans alourdir de manière dramatique le poids des engins. 1000 cycles de charge, donc si on utilise le véhicule vraiment régulièrement, on en a à peu près pour 5 ans. Voilà. De toute façon, les garanties sont de 2 ans. Et on a au niveau des technologies, aujourd'hui, on peut dire que les batteries sont très fiables, accompagnées de moteurs qui sont de plus en plus perfectionnés. Le marché est vraiment en train d'évoluer vers un perfectionnement et une augmentation des technologies embarquées. Merci très bien. Beaucoup. Alors moi je suis David Amar et je suis le responsable des laboratoires Biotherm. Biotherm, c'est une marque historiquement qui est très tournée vers les eaux, en l'occurrence les eaux thermales, puisqu'on a notre actif historique qui est un plancton d'eau thermale qu'on utilise depuis les années 50, date de création de la marque, se retrouve dans tous nos produits. On s'est tourné petit à petit vers les autres eaux et vers l'intégralité de la biodiversité marine à travers d'actifs issus de la mer, issus des océans. Et c'est pour ça qu'un juste retour des choses était de protéger ces océans et de protéger toutes ces eaux à travers nos productions de produits, nos sourcing d'ingrédients et nos packaging. Alors, en fait, sur ce salon, on est invité, c'est-à-dire que nous n'avons pas demandé à participer, on nous a demandé de venir. Je pense que c'est lié à notre engagement justement de respect de l'eau et protection des eaux de la planète. Je vais parler de ce que je connais le mieux, hein, qui est la fabrication des produits. Dans le sourcing des ingrédients Biotherm, on respecte à la fois l'origine de la matière première, donc que ce soit une microalgue, une macroalgue. À la fois on respecte donc le sourcing, mais en plus on respecte l'environnement puisque généralement on récupère des produits que l'on est capable de fabriquer dans des bioréacteurs ou dans des fermes spéciales afin de ne pas affecter l'environnement marin.
Et puis après, on a tout ce qu'on a sur les... On a ce qu'on a sur les packagings, qui sont des packagings dont parfois le verre est allégé, le verre est recyclé, des plastiques recyclables. Voilà. Pour l'intégralité du groupe, on a une démarche très très forte de progrès dans la sélection à la fois de nos ingrédients d'un point de vue écologique, d'un point de vue sociétal, mais aussi sur la production de nos produits. Nos usines sont totalement engagées dans ces processus de respect de l'environnement et de respect des humains qui y travaillent. Je pense que ça va même au-delà de la demande du grand public, c'est-à-dire que c'est un devoir d'un groupe aussi gros que notre groupe, c'est un devoir pour des marques aussi importantes que Biotherm de totalement s'imbriquer dans l'environnement à la fois naturel et humain dans lequel ils sont. Cahier des charges, et puis on a bien sûr notre charte de développement à laquelle on se tient, qui est une charte de développement qui impacte à la fois les formules mais aussi les packagings et la production. Et cette charte de développement est une démarche progressiste, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose existant et on va l'améliorer au fur et à mesure des années et des techniques qui sont à notre disposition pour le faire. Le bio, c'est quand même quelque chose un peu différent. Le bio, ça va nécessiter un pourcentage élevé de matières premières issues de l'agriculture biologique ou certifiées par des organismes extérieurs bio. C'est pas complètement, je trouve, une démarche à la fois sociétale et durable totalement. Puis on est capable de, sans passer par de l'agriculture bio, de fabriquer des produits qui sont durables et réfléchis de manière durable pour s'insérer à la fois dans la société et dans l'environnement. Chez nous, oui, ça fait depuis les années 80, on a arrêté totalement les tests sur animaux, on a créé des modèles de peau reconstruites pour pouvoir tester nos produits, on continue à développer ces modèles, maintenant on est capable d'avoir des modèles qui se pigmentent, donc vous les mettez sous les rayons du soleil ou sous des lampes UV et ces petits modèles de peau se pigmentent comme une vraie peau, enfin, c'est des choses absolument incroyables qu'on n'imaginait pas il y a encore 40 ans, donc on a complètement arrêté les tests sur animaux depuis très longtemps, mais voilà, on le dit, on le redit maintenant, on ne va pas non plus l'écrire sur tous nos produits. Le Biotherm de demain? Le Biotherm de demain, c'est un Biotherm encore plus responsable, encore plus attentif de ses consommateurs, mais aussi des gens qui sont autour. Et puis c'est un Biotherm très efficace, j'espère. Non, merci à vous. Donc, je m'appelle Nazia Mestaoui, je suis artiste et architecte et j'ai travaillé ici sur une installation qui s'appelle Corps en résonance. Le concept, en fait, c'est de travailler sur un dispositif immersif dans lequel on rend visible l'invisible, c'est-à-dire que le son qui est généré par chacun de ces bols, en fait, c'est une série de bols de cristal qui, quand on passe devant, commence à tourner. En tournant, il génère du son. Le son qui est généré par les bols de cristal se reflète en fait sous forme de reflets lumineux qui sont simplement le reflet de toutes les ondes propagées par le son à la surface de l'eau, puisque chaque bol est rempli d'eau. Et l'idée, c'est de donner à voir le son, l'énergie et toutes ces ondes, ces vibrations en fait, qui composent notre réalité. En fait, chaque son, chaque onde sonore est aussi lié à un organe, à un chakra. Et c'est aussi justement cette idée que l'énergie, la matière, la lumière, le son et les émotions sont différentes facettes et différentes formes de vibrations qui composent notre réalité. Alors c'est à la fois une œuvre d'art et en même temps l'idée c'est justement une œuvre d'art qui fait du bien. C'est-à-dire qu'on est face à un dispositif qui permet de visualiser l'invisible et finalement comme on est dans une société de l'immatériel, enfin une société plutôt de la matière, une société du visible, l'idée c'est de donner à voir ce à quoi on n'a pas nécessairement accès de façon générale, de façon à amplifier l'effet qu'on peut en recevoir. C'est-à-dire que toutes ces vibrations qui font notre réalité et qu'on ne peut pas voir, à partir du moment où on les rend visibles, on peut s'y reconnecter, on peut amplifier l'effet qu'elles ont sur nous. Et c'est justement, ça part de ce principe en fait, cette idée de donner à voir ces vibrations qui sont aussi un soin. Donc c'est à la fois une œuvre d'art et c'est en même temps un dispositif dans lequel on peut s'immerger et dans lequel on peut se laisser justement entrer en résonance aussi avec ces ondes sonores et ces énergies.
Alors en fait, donc je suis artiste et je travaille depuis 15 ans maintenant, beaucoup autour des technologies. Et d'une certaine façon, si on tire le fil de la société dans laquelle on est, on va de plus en plus vers une société de l'immatériel. Et cette société de l'immatériel, définie à la fois par nos technologies, par nos sciences et par l'évolution de nos sociétés, rejoint d'une certaine façon les sociétés les plus ancestrales. Et en fait, ces bols de cristal sont inspirés de techniques tibétaines. Ce sont des bols qui sont utilisés depuis des millénaires par des chamans pour soigner, pour réharmoniser, pour travailler justement sur cette idée que chaque vibration peut entrer en résonance avec une autre vibration pour se réharmoniser. Et l'idée, justement, c'est de faire le lien entre la technologie, finalement, et notre société moderne, et les sociétés les plus ancestrales, de façon à montrer, finalement, que ça recrée une boucle et que ces cultures les plus ancestrales sont une véritable source d'inspiration pour l'avenir qu'on est amené à construire. C'est vraiment l'aller-retour entre, à la fois, la technologie, la science, et notre société contemporaine, que ce soit la physique quantique, justement, qui décrit notre réalité comme une multitude de vibrations, et les sociétés les plus ancestrales. Et c'est vraiment l'origine du projet, c'est vraiment la rencontre des deux. En fait, ça fait quelques années que je passe du temps dans les tribus en Amazonie, justement dans ces recherches, finalement au cœur des sociétés les plus ancestrales, pour recréer ces liens justement entre nos sociétés et ces sociétés ancestrales autour de projets artistiques et d'expériences créatives qui permettent de remettre en question notre perception de la réalité. C'est unique en fait, parce qu'en fonction du niveau d'eau, en fonction du diamètre du bol, etc., à chaque fois il y a des particularités et en même temps des règles qui font qu'on va avoir une certaine note qui est produite en fonction de la dimension du bol, etc., qui va avoir un effet sur un certain organe, un certain chakra, etc. C'est moi qui les accorde, entre guillemets, mais les diamètres et les fréquences sont déjà prédéterminés. Merci. Le projet My Cocoon est basé sur l'immersion de la couleur à travers les cinq sens. C'est un projet destiné au bien-être et on a fait appel à des compétences complémentaires pour développer ce projet, qui sont des aromathérapeutes, des chromothérapeutes, des nutritionnistes. On a enregistré des sonorités avec des maîtres de bol et de gong tibétains. Et l'idée, c'est justement que ça génère un parcours sensoriel, aussi bien pour les hôtels, pour les lounges d'aéroports, pour les entreprises. Pour les entreprises, on a associé ça à du team building couleur pour le bien-être des employés dans l'entreprise. Et c'est aussi faire un appel aux cinq sens, aux créatifs, pour qu'ils nous envoient et qu'ils nous partagent leurs émotions, couleurs, à travers leur vision créative. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on a associé des soins ancestraux à la technologie d'aujourd'hui, d'accord ? La chromothérapie, c'est comme la luminothérapie, mais associée à la couleur. Et justement, c'est proposé aussi bien dans des spas ou pour les hôtels, du bien-être pour que les gens puissent se relaxer, s'immerger dans la couleur et vivre des moments de bien-être. Qu'est-ce qui marche ? Les couleurs ? Ça, c'est le mystère. C'est toute la beauté de la couleur. C'est qu'il y a un grand mystère autour de la couleur. Chaque couleur a la capacité de créer des émotions, d'éveiller des émotions particulières chez nous. Par exemple, si on pense à un ciel bleu, bien on a une sensation de calme, de sérénité, peut-être de froid, le vent qui souffle. Si on voit la couleur rouge, l'orange, ce sont des couleurs chaudes, elles vont évoquer chez nous des sentiments de bien-être, d'être enrobé, d'être protégé dans la chaleur. Le vert, peut-être quoi ? La forêt, les prairies, un sentiment d'espace, un sentiment de solitude, de découverte de l'inconnu, la jungle verte. Donc chaque couleur crée une émotion qui est particulière. Et en se mettant à l'intérieur d'un environnement coloré spécifique, eh bien on va pouvoir revivre une expérience grâce aux lumières colorées qui vont nous évoquer un tableau, un paysage d'émotions colorées. Nous sommes tous dans notre propre cocon. C'est le cocon neurosensoriel, l'odeur, la vision, le son et le toucher. Et le cocoon, il a tout ça, il a l'odeur, la vision, le son et le toucher avec le divan. Et donc on se met dans un cocon pour être à l'aise avec nous-mêmes. Et quand on est à l'aise avec nous-mêmes, après on peut être à l'aise avec les autres.
problème, c'est que je ne sais même plus où mettre les trucs, j'en ai partout dans les...